סקופ מק ודיזי ורוליגר לופטי ווונדי עם כולם פה וגם הם כל כך נהנים הם בונים וגם מתנים הומה בניים מצליח לתקן הומה בניים כן 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 חתול וציפור Donc, la dernière fois, on a parlé de trois lignes du traité Shabbat, d'une discussion contradictoire entre trois maîtres du Talmud. La première génération, pendant l'occupation romaine de la Judée, et donc Rabbi Yehuda faisant l'éloge de la civilisation romaine, Rabbi Yossé lui garde le silence, et Rabbi Shimon condamne la civilisation romaine ou la maudit. L'éloge de Rabbi Yehuda portant sur le fait que les Romains construisent des marchés, construisent des thermes, construisent des ponts, et la malédiction, la condamnation de Rabbi Shimon étant que ces marchés abritent la prostitution, les thermes abritent sont créés pour le plaisir des Romains et les ponts ont une fonction de péage et une fonction de contrôle. Alors, la lecture que j'ai proposée la dernière fois, je voudrais cette fois-ci vous parler d'autres lectures qui sont faites de ce dialogue, de ce court passage, de ces trois lignes du Talmud. Pour aborder finalement la question de ce qu'on peut appeler une mystification religieuse. Alors, notamment, Abraham Heschel, dans Les bâtisseurs du temps, en 1957, propose une lecture dans le 9e chapitre de ces trois lignes du Talmud. Et donc, on va voir ensemble comment est-ce que lui lit ces trois lignes. Donc, ils sont suivis aussi d'un apologue concernant l'histoire de Rabbi Shimon, qui, condamné à mort par les Romains, va se retirer dans une caverne où il va avec son fils étudier. Et c'est là que va s'élaborer la Kabbale. Alors, je vous lis... En trois textes, on va voir ensemble comment est-ce que Abraham Heschel interprète cette opposition entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, et surtout comment est-ce qu'il interprète au fond la position qui est celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, le fondateur de la Kabbale d'après la tradition. Donc selon lui, ce qui anime Rabbi Shimon Bar Yochai, ce n'est pas, comme les historiens l'affirment généralement, un simple ressentiment patriotique à l'égard de la puissance qui avait vaincu le peuple de Judée et qui le persécutait. L'ensemble de l'histoire montre bien que, dès le début, ce qui était en cause était non pas seulement la domination romaine, mais la civilisation romaine. Après 12 années passées dans la caverne, la portée du débat s'élargit encore. Le problème dépasse une civilisation particulière et englobe le principe même de toute civilisation, la valeur de l'existence terrestre. On voit qu'Abraham Heschel pose finalement deux interprétations divergentes. Une interprétation qui est celle des historiens qui va lire dans la position de Rabbi Shimon dans sa condamnation de Rome un ressentiment patriotique, c'est-à-dire au fond ce qui va être la forme de résistance nationaliste à l'occupation romaine. Ça, c'est la lecture des historiens. Sa lecture à lui, qui se veut une lecture de l'intérieur de la tradition juive ou de l'intérieur de la Kabbale, l'enjeu n'est pas la domination romaine, dit-il, mais la civilisation romaine, et au-delà, la civilisation elle-même, et au-delà, la question de l'existence terrestre. Alors, qu'est-ce que la remise en cause de Rome et de cette existence-là, qu'est-ce qui va définir Rome d'après Abraham Heschel ? Texte suivant, un peu plus loin.
Il était difficile de ne pas se laisser impressionner par les triomphes du grand empire et de contredire une personnalité aussi pondérée que Rabbi Yehuda quand il rendait hommage aux bienfaits que les Romains avaient apportés au peuple de Judée. Donc selon lui, Rabbi Yehuda rendrait hommage aux bienfaits que les Romains ont apportés. Et cependant, pour Rabbi Shimon, ces triomphantes réussites étaient scandaleuses, haïssables et abominables. Il n'éprouvait que répulsion pour l'esprit calculateur et utilitaire de la civilisation romaine. Il savait que tous ces édifices magnifiques, tous ces bâtiments publics n'étaient pas élevés pour le bien du peuple, mais pour servir les abominables desseins de Rome. La formule qui m'intéresse ici, outre qu'il paraît revenir à une lecture plus proche de celle que j'ai développée la dernière fois, la formule qui m'intéresse, c'est la manière dont il caractérise la civilisation romaine par la formule l'esprit calculateur et utilitaire de la civilisation romaine. Donc c'est ça qui serait le principe de toute civilisation et ce qui consacre la valeur de l'existence terrestre, c'est l'esprit calculateur et utilitaire. Et c'est ce contre quoi s'élèverait Rabbi Shimon. C'est ce qu'il condamnerait au titre d'existence terrestre, si je reprends la formule d'Abraham Michel. Alors, qu'est-ce qu'il oppose, d'après Abraham Michel, qu'est-ce que Rabbi Shimon oppose à cette existence terrestre, à cet esprit calculateur et utilitaire? Alors, on va le voir dans un dernier texte, où là, Abraham Michel pose vraiment l'essentiel de son interprétation et au-delà aussi la thèse de l'ouvrage « Les bâtisseurs du temple ». Alors, pour Rabbi Shimon, ce ne sont pas ceux qui troquent le temps pour l'espace qui conquièrent l'éternité, mais ceux qui savent emplir d'esprit leur temps. Pour lui, le grand problème était le temps et non point l'espace. Il s'agissait pour lui de transmuer le temps en éternité et non point de remplir l'espace de palais, de ponts et de routes. La solution du problème est dans l'étude et la prière, et non point dans la géométrie et l'industrie. Alors, l'étude et la prière, ça fait référence clairement à ce qui se passe dans la caverne, puisque Rabbi Shimon et son fils dans la caverne, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient et ils étudient. Ce à quoi Abraham Michel oppose, ce qui caractériserait la civilisation romaine et au-delà peut-être le principe de toute civilisation qui vise à bâtir non pas le temps mais l'espace, si je reprends sa métaphore, c'est la géométrie et l'industrie. Alors cette opposition entre géométrie, industrie et études et prières, on va voir que continue de poser la question, qu'est-ce qu'il entend par étude et prière? Qu'est-ce que c'est, selon Rabbi Shimon, cette étude et cette prière? Alors, on le devine, mais pour le rendre explicite, je cite Guy Cazaril, qui a écrit un petit livre qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai et la Kabbale, dans lequel il évoque le passage du Talmud en question, et notamment et également l'interprétation qu'en fait Abraham Michel, et il cite un texte que je vous ai cité, et donc il évoque la position de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il écrit: la réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai, la grande leçon de la Kabbale, c'est que le vrai moyen de concilier l'impératif spirituel et les contingences matérielles réside dans l'observance de la loi à travers ce qu'elle a de plus intime. Plus loin, l'immortalité que Cicéron recherchait dans une inscription lapidaire, Rabbi Shimon et l'homme juif la trouvent dans l'étude de la loi, avec un L majuscule, l'observance des préceptes et l'amour de Dieu. Donc on voit que d'après cette lecture,
Rabbi Shimon avait une position qui est celle, au fond, d'une spiritualité religieuse, l'étude de la loi et l'observance. Ce à quoi s'oppose la civilisation romaine, qu'il caractérise à la fois par l'esprit de calcul et l'esprit utilitaire, et également par la géométrie et l'industrie. Donc ça, c'est l'interprétation qu'on peut qualifier, disons, de religieuse. Alors, le problème, l'autre alternative étant celle des historiens qui, eux, font une lecture de la position de Rabbi Shimon, qui est celle d'une résistance nationale ou d'un nationalisme politique qui s'opposant à l'occupation romaine. Alors, ce qui m'importe, c'est de sortir de cette alternative et de montrer sur quel type de mystification elle repose. Alors, le premier point, c'est la question de la géométrie. Le fait d'opposer, de qualifier, d'introduire la notion de géométrie pour définir la civilisation romaine, elle me paraît symptomatique, parce que, d'une part, il n'est pas question immédiatement de géométrie dans les propos de Rabbi Shimon au sujet de Rome, ni dans ceux de Rabbi Yehuda, et surtout parce que l'association de la géométrie et de l'industrie montre bien à quel type de géométrie on se réfère. Parce que historiquement, ce qui va caractériser l'invention grecque des mathématiques, c'est justement une pratique de la géométrie qui est déconnectée de ses finalités strictement utilitaires. La pratique de la géométrie, elle existait dans les civilisations qui précèdent les Grecs, que ce soit en Inde, en Babylonie, en Égypte. D'après certains, elle remonterait même très en arrière dans le temps, à l'époque du Néolithique. Enfin, quoi qu'il en soit, ce qui caractérise la géométrie au sens grec, ça va être une pratique de la géométrie réflexive et axée sur la question de la démonstration, qu'on va retrouver chez Spinoza, par exemple. Donc déjà, premier point sur la question de la géométrie, c'est que, précisément, il va y avoir une discipline, puis la philosophie avec Platon, qui va s'élaborer sous condition de la naissance de cette géométrie grecque et qui est tout à fait distincte de la géométrie au sens où l'entend Abraham Heschel lorsqu'il parle de cette civilisation romaine. C'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est que dans cette interprétation d'Abraham Heschel suivie par Guy Cazari, ce qui est occulté, c'est que l'enjeu, la critique de Rabbi Shimon au sujet de Rome, n'est pas la civilisation en tant que telle, n'est pas non plus la question de l'aménagement de l'espace, n'est pas non plus la question de l'esprit utilitaire en tant que tel. Elle est, c'est la thèse que j'ai développée la dernière fois, elle est la question d'une civilisation dont le noyau est la domination de l'homme sur l'homme, l'asservissement d'autrui. C'est ça le noyau de la critique de Rabbi Shimon. Or ça, c'est ce que l'interprétation de Abraham Heschel ou bien occulte ou bien amenuise singulièrement. Alors, pour montrer comment opère cette occultation, ce que je vous propose, c'est de tout simplement comparer la question de la traduction des paroles de Rabbi Shimon. Alors, comment Abraham Heschel traduit la parole de Rabbi Shimon dans le Talmud? Alors, au sujet de Rabbi Yehuda, il traduit ainsi: Rabbi Yehuda dit,
Je trouve admirables les travaux de ces Romains. Ils ont tracé des routes, dégagé des voies et des places, bâti des ponts, construit des thermes. Bâti des ponts, construit des thermes, c'est traduction littérale. Le premier point, il y a une modification, nous, le texte du Talmud, le texte hébreu dit clairement qu'ils ont, tiknou shukim, ils ont construit des marchés, mais il y a un commentaire de Rashi qui indique que par marché, il faut entendre au fond, une forme d'urbanisme où il y a des places, la place du marché. Donc il y a une dimension urbanistique. Bon. On peut laisser de côté ce point-là, ce n'est pas essentiel immédiatement. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la manière dont il va traduire Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors voilà maintenant les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc, qui objecte à Rabbi Yehuda d'après la traduction de Abraham Eshel. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour eux-mêmes. Les rues et les places pour s'y prostituer, les ponts pour en percevoir les péages, les thermes pour y plonger leur corps dans la volupté. Alors il y a deux modifications très significatives dans sa traduction, deux interprétations au regard de la lettre, deux libertés en quelque sorte qu'il prend. Les marchés ou alors les rues et les places, peu importe ici, pour s'y prostituer. Or le texte hébreu dit Léoshiv Zonot. Léoshiv Ba'en Zonot. Littéralement, ils ont construit des marchés, des places du marché pour y asseoir des prostituées. Donc ce n'est pas pour s'y prostituer. La différence, c'est que pour s'y prostituer, ce qui est en cause d'après Abraham Eshel, c'est le fait, c'est la jouissance du corps. D'après le texte hébreu, les Romains ne sont pas dans la position de ceux qui se prostituent, mais sont dans la position des macros, ceux qui installent des prostituées dans la rue, c'est des macros. Et le passage n'est pas anodin. De la même manière, dans la question des termes, Abraham Eshel traduit les termes, ils ont construit des termes, et d'après Rabbi Shimon, pour y plonger leur corps dans la volupté. Mais le texte hébreu insiste sur le fait que c'est pour y plonger leur propre corps dans la volupté. Et le problème, la critique que fait Rabbi Shimon au regard de ce qu'en dit Rabbi Yehuda, c'est pas le problème que les bains, ça soit pour la volupté du corps, parce que c'est évident que lorsque Rabbi Yehuda fait l'éloge de Rome parce qu'ils construisent des thermes, c'est l'éloge du raffinement de cette civilisation. Et ce qui est en cause, d'après Rabbi Shimon, ce n'est pas la question du raffinement en tant que tel, c'est un raffinement qui va être le privilège des maîtres. Or c'est ce qu'occulte la traduction de Abraham Eshel, qui lui va le centrer, le déplacer sur la question de la volupté du corps, comme ce qui était problématique, c'était la volupté en tant que telle. Et soit dit en passant, de même, c'est une interprétation qui voit dans le péché originel la jouissance de la chair du fruit. Elle repose sur une occultation de la lettre du texte biblique, puisque il est explicite que l'homme est placé dans le jardin d'Éden et qu'il lui est donné de manger de tous les fruits. Donc il n'y a aucune négativité dans le fait de jouir de la chair d'un fruit, ou aucune négativité dans la volupté en tant que telle. Donc ça, c'est ce déplacement dans la traduction d'Abraham Eshel qui indique déjà son orientation en quelque sorte spiritualisante, mais qui exige d'occulter la lettre du Talmud. De même, je prends maintenant la traduction de Guy Cazaril, ce même passage. Alors, comment il traduit les propos de Rabbi Shimon? Il dit « Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour eux-mêmes. Les rues pour les prostituées, les thermes pour leur corps, les ponts pour lever des péages. » Il est un peu plus proche de la lettre, les rues pour les prostituées. Il oublie, il ne rapporte pas le fait que c'est pour y asseoir les prostituées.
Donc là, c'est plus explicite que l'action des Romains, c'est d'instituer la prostitution dans ces lieux. Et deuxièmement, concernant les termes pour leur corps, ça reste en deçà de la lettre, puisque la signification de cette critique de Rabbi Shimon n'est pas immédiatement audible. Alors maintenant, venons-en à une traduction littérale fidèle à la lettre. Et on va prendre cette fois, tout simplement, la Guémara, le Talmud de Babylone traduit par les membres du rabbinat français. Donc, traité Shabbat, hein, c'est une édition qu'on ne trouve pas dans les librairies générales. Et ce qui est extraordinaire, c'est traduit par le rabbin Désiré Elbez. Et donc, évidemment, avec un nom comme ça, on ne peut que bien traduire. Bon. Surtout quand il s'agit de Kabbale. On est en plein dans la Kabbale. Donc Désiré Elbez, comment est-ce qu'il traduit? Voilà. Rabbi Shimon prit la parole et dit, tout ce qu'ils ont institué, ils ne l'ont fait que pour servir leurs intérêts. Ils ont aménagé l'habitat pour pouvoir y installer des prostituées, construit des bains pour leur propre plaisir et lancé des ponts pour encaisser un droit de péage. Et ça, c'est une traduction littérale. Une traduction littérale où éclate d'emblée la raison de la colère de Rabbi Shimon, la puissance politique de son propos. Puissance politique qui est rendue par la littéralité de la traduction du rabbinat et qui est occultée par la spiritualisation d'Abraham Michel et de Louis Casari. Parce que finalement, c'est ça qui est intéressant dans l'orthodoxie, c'est qu'elle est, c'est la garde de la lettre, même dans son inconscience. Donc même si on peut penser que l'orthodoxie ne réfléchit pas à la portée politique de ces propos de Rabbi Shimon, au moins elle en a la garde par sa fidélité à la lettre. Et c'est d'autant plus flagrant ici que l'inconscient du signifiant il est écrit dans le nom du traducteur. C'est un nom kabbalistique. Alors, c'est plus ou moins clair jusque-là? Alors on va essayer de conclure. Donc maintenant, revenons sur la discussion contradictoire entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Et demandons-nous de quoi est-il question. Alors je vous propose un petit détour par un texte. Voilà, dans Daniel Ben Saïd, dans Walter Benjamin, Sentinelle messianique, il évoque un passage des Cahiers pour une morale de Jean-Paul Sartre, passage dans lequel Sartre évoque leur morale et la nôtre de Trotsky. Et Trotsky écrit, au sujet des fins que vise le marxisme, ou de la téléologie marxiste. Il dit que c'est l'accroissement de la domination de l'homme sur la nature et l'abolition de la domination de l'homme par l'homme. Alors il me semble que, au fond, on pourrait proposer l'interprétation suivante. C'est que pour Rabbi Yehuda, il est possible de faire l'éloge de la civilisation romaine, de faire l'éloge ce qui, dans la civilisation romaine, relève de la domination de l'homme sur la nature. Domination de l'homme sur la nature qui apparaît aussi bien dans l'esprit industriel, la capacité technique, la pacification, le développement de l'économie, de l'aménagement du territoire, etc. Qui est aussi la question de l'ordre, l'ordonnancement
qui peut prendre la figure à la fois de ces légions romaines qui avancent en carré et qui affrontent les hordes de barbares. Et c'est une figure, la domination de l'homme sur la nature. Ça m'évoque aussi le vers de Baudelaire, « Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. » Donc on peut faire l'éloge de ça, et on doit faire l'éloge de ça, dit Rabbi Yehuda. Que lui objecte Rabbi Shimon ? Il lui objecte que cette domination de l'homme sur la nature, dans le cadre de la civilisation romaine, est intrinsèquement nouée à la domination de l'homme sur l'homme. Qu'on ne peut pas distinguer les deux. Et alors il me semble que le ressort de la mystification, c'est lorsque la question de la domination de l'homme sur la nature ou la question de la maîtrise de la nature est critiquée ou considérée comme aliénante. Ce que Abraham Heschel appelle finalement l'occupation de l'espace au détriment du temps, il me semble que ça relève de la mystification religieuse à chaque fois que ça n'est pas articulé avec l'enjeu véritable de la critique, qui est que cette domination de l'homme sur la nature est intrinsèquement nouée à la domination de l'homme sur l'homme. Dès lors que ça s'est occulté, on est dans la mystification, ou bien religieuse, ou bien heideggerienne, ou bien de toutes les critiques de la technique dont la visée essentielle n'est pas instruite par la question de ce que Tortsky appelle l'abolition de la domination de l'homme par l'homme. Et donc, ça m'intéressait de montrer comment ça apparaît dans la question de la traduction.